Nous bénissons encore une fois le Seigneur, le Dieu de notre salut. Nous voulons nous référer à, renforcer davantage en nous la conviction, l'entendement, la pensée de comprendre comment le monde fonctionne. Il faut que je vous le rappelle et que vous puissiez vous-même vous le rappeler. Le monde est spirituel dans lequel nous sommes en train de vivre et dominé par l'esprit, la spiritualité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il vient d'en haut. Il nous révèle les secrets de son ordre de mission. Il est dit à son sujet dans Ésaïe chapitre 61. Un verset que vous connaissez, un chapitre que vous connaissez bien. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a revêtu, m'a oint, m'a rempli pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, aux prisonniers la délivrance. Donc Jésus est venu avec l'ordre des missions de la part de Dieu. Il nous donne un secret qui a tendance à nous échapper de temps en temps. Mais ce matin, je le rappelle pour que tu comprennes que le corps est l'enveloppe des êtres esprits. Même ton corps là, quand j'ai dit nous sommes dans le monde des esprits, ne souffre pas, ne résume pas le tout par le corps. Nous sommes dans un monde physique, oui. Mais quand j'ai dit nous sommes dans un monde spirituel tel que nous sommes là, ce sont des esprits. Chaque esprit a son influence, chaque esprit a son niveau du revêtement, chaque esprit a un mandat. Esprit qui habite simplement, c'est comme si je mettais l'argent dans ses paniers. La valeur de ces paniers, c'est l'argent qui se trouve là-dedans. Donc quand tu vois les gens marcher, mets en tête que ce sont des esprits qui sont dans l'enveloppe qu'on appelle corps humain. Et ce qui fait la loi dans le monde, c'est la connexion et le degré de la connexion de chacun de nous à une source spirituelle. Jésus a dit, il est dit à son sujet, que l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Car il m'a oint, il m'a rempli, il m'a chargé. Pour, on a commencé à énumérer les choses que Jésus devrait faire. Namukuse, et zaponako intervenir na vie abatou, en terme ya kolongola malheur, kope sabango bonheur. Namukuse, ponako piki sabatou, ponako restaurer moutou, société. Yesu moulimo aye na société. Amoni milimo mususu bazo bela baza ba captif spirituellement, socialement, financièrement, économiquement et sur tous les plans. Il y a des gens qui souffrent. Mais pour changer la condition là, qui ne marche pas, il a dit, l'Esprit est sur moi pour changer les choses. Et quand l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, ce que tu veux changer dans ton cerveau ne sera pas changé avec Dieu. Donc pour que ça soit changé avec le pouvoir de Dieu, il faut que tu sois loin de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois chargé, blindé de l'Esprit de Dieu. Si koyo awa na lingi na ebisayo ko na rappeler, na lingi ko rappeler, parce que loko wana mutoko bosa nango de temps en temps. Bandeko, avoir l'accès à l'Esprit, être revêtu du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Nengetoza awa mutu na mutu azoko kende ko développer puissance et revêtement esprit nae
selon attachement na yena iloba na nzambe, attachement na yena méditation iloba na nzambe, attachement na yena prière, attachement na ye na ba intérêt ya nzambe. Donc atana vie na yo na famille na yo, soko lingi ko kende ko changer makambo ya yo moko na famille na église na société, il faut na vision ya nzambe esengeli ozala rempli. Au monde kan dinge to fandi boy. Lobi na sali boy na installé boy na sali boy na koyebi sa yo que nyo se ko sale makouta na munoko na yo e ko sale ma selon degré à puissance ya esprit aux anango mususu pe ko ti ko raté. Je te dis vrai na kende kaka na Yesu. Yesu azu potopoto ti na misu avec la lobi fongo la misu mona avec la fongoli mais ndenge kaka avec la na tele la ki Yesu atuni ya lobi o mona. Au moni nin, yok avec. Alobi, na omona batu, mais neti banzete bazo tambola. Yeso a comprendre qu'il faut na bakisa. Li sous maloba oyo na loba ki aliboso. Et sali neti salite. Ce qui a yeso salibo isko ebiso batu. Bako sayote tanga Bible ndengezo kende. Eza échecte, mais zo senga ko bakisa puissance. Vina yo, chaque fois zo loba. Quelque chose est en train d'être fait. Ah, la Bible dit, répète sans cesse. Médite sans cesse. Confesse sans cesse. Prophétise sans cesse. C'est alors que tu auras du succès. Donc, chaque fois que tu es en train de parler, quelque chose peut se faire. Mais il faut une autre puissance supérieure qui vient pour que les choses beaucoup plus supérieures puissent se réaliser. Pour que ces choses se réalisent, tu as besoin de rester constamment na mouvement neti ya boye o créer ango mélange te bandeko ezala kana ba moment oyo moto alingi kozwa résultat ana compétition neti bosala ka examen d'état omoni moto musu abimi 2 semaines azonga ka pe na bangote azokana intérioriser puissance nyo sur la connaissance. Il y a concentration ti yango na eloko moko. Ce qu'on a besoin en Zambi, il y a nguya wana et sengele comprendre que ça du jour au lendemain okozala rempli baptisé na Saint-Esprit. Na moni yango na Bible te. 1. Yesu ye moko mbala boni molimo mo santo ya vie na ye. Ye moko. Na kokota na libumu ya Marie nguya elati ye. Alingi ko kende ko zwa baptême Saint-Esprit qui était lié sous forme à colombe. Plusieurs fois na mission na ye, Bible les a rappelé que il fut encore revêtu de l'Esprit de Dieu. Combien de fois vous parlez revêtu. Pourquoi? Namokili oyase, denge zambasali. Lia fufu ebele, melama ebele. Okotombo la libende. Mais zana makambo mususu po salango avec succès exploit. Kaka olati nguya ya nzambi. Na lobibia po latango. Biso tozo kende kota culte matinal. Tozongi. Daniel. Pour kazoa intelligence supérieure ya Saint-Esprit. A kende ko régler situation difficile. Il est resté. Pendant combien de jours en train de prier? 10 jours. Il a supprimé quoi dans la vie? Distraction. On lui amène à manger. Il dit, je ne peux pas m'essuyer avec l'alcool, le whisky du roi. Je suis concentré. Je veux avoir un tel résultat. Je veux le revêtement de l'esprit pour que je traite les questions tout autour de moi. Kakaye soloba que l'esprit du Seigneur est sur moi pour Daniel aussi, pour régler certaines choses dans le monde. L'Esprit du Seigneur devait être sur lui et il s'est discipliné. Il a combattu. Il s'enferme 10 jours. On met la maille dans les légumes. Donc, on a un moment où nous sommes en revêtement du Saint-Esprit. Attaque aux alamouninga et à fête aux hommes. Au cocangote. Écoute, la Bible dit le désir de l'Esprit, c'est très différent. Des désirs du corps. Si tu ne sais
pas à un moment donné soumettre ton corps aux besoins de l'esprit. Mais les deux se battent ensemble. Les gros résultats t'attendent jusqu'à ce que tu apprennes à créer la discipline. Amen. C'est comme ça que moi, je ne pense pas qu'un enfant de Dieu peut être, avec l'onction de Dieu, en train de travailler dans un bar, dans une boîte de nuit. Avec toutes ces réalités-là, je ne peux pas avoir un esprit bien disposé pour être connecté. Je ne parle pas d'abord du péché. Je parle des éléments qu'il faut mettre en jeu pour arriver à vivre le revêtement de l'esprit. Les amis qui t'entourent comptent lorsque tu veux le revêtement du Saint-Esprit. Tu sentiras le besoin d'éloigner de toi ceux qui ne sont pas à leur temps de vivre leur revêtement. Les gens qui viennent t'entretenir dans une vie plus de la chair, qui ne sont pas cette vie qui n'est pas favorable au revêtement de la puissance. Même les langages, même les conduites, tu ne vas pas les supporter. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit ne vient pas n'importe où. Même Jésus qui a promis l'Esprit, il n'est pas descendu dans le monde entier, au monde entier. Il est descendu sur des gens qui étaient consacrés à la chambre haute. Et c'est au bout des 50 jours durant que ce que Jésus leur avait promis est arrivé. La plénitude, le revêtement. Les apôtres furent ouais. Je ne peux pas accepter quelqu'un qui est ivre, en même temps il a le Saint-Esprit. Impossible. Quelqu'un qui, même si tu sors comme ça, tu es en train de travailler, pour que tu gardes cette... C'est une grande bénédiction, c'est la plus grande promesse de Dieu dans la Bible. Il a dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu, les consolateurs. Il vous conduira dans la vérité, dans tout ce que je vous ai promis. Il n'y a pas plus grande promesse que ça. Et si tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à te mettre de façon à prendre cet héritage, cette promesse, tu seras un enfant de Dieu fragile. Les résultats vont commencer à te blesser. Pour que les résultats montent, consacre-toi sérieusement. Ce culte de matin, c'est pour nous permettre de saisir bien notre corps, notre esprit et âme, les soumettre à un fonctionnement digne de ceux qui cherchent le revêtement de l'esprit. Vous avez un mandat, vous avez une mission. Dieu ne vous a pas créé pour passer inaperçu. Vous avez des choses que vous devez faire dans ce monde, à l'honneur de Dieu, à l'honneur de vous-même, à l'honneur de vos familles, à l'honneur de la nation. Mais rien ne peut être fait sans avoir l'esprit du Seigneur sur toi. Qui a fait des choses de Dieu sans son esprit? Je n'en connais pas. C'est comme ça que l'esprit, chaque fois que tu viens au culte, chaque fois que tu médites la parole de Dieu, chaque fois que tu es sincère, chaque fois que tu as un cœur pur, chaque fois que tu as un cœur juste, chaque fois que tu as un cœur tourné vers le Seigneur, de tout cœur, tu cherches le Seigneur, de toute ton âme. Frère, l'onction commence là. Après un mois. Comme si ça ne monte pas. Après 2 mois. Après 1 semaine. Après 3 jours. Après 3 minutes. Après un moment d'écouter la parole. Après un moment de méditation. Après un moment d'amour du prochain. Après un moment de l'amour de l'Église. Après un moment d'obéissance à Dieu. Ça ne fait que monter. Jusqu'à ce que tu seras plongé, toi, dans la force extraordinaire. Et tout ce que tu fais réussira avec succès au nom de Jésus. C'est comme ça que le tout se résume avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec la présence de Dieu. Nous ferons des exploits et nous écraserons notre ennemi. Que Dieu libère sur vous l'Esprit, l'onction, la puissance. Ce matin, je place dans votre cœur l'appétit du revêtement, la soif du revêtement de l'esprit, l'appétit de la puissance, l'appétit de l'autorité et du pouvoir. Au nom tout puissant de Jésus, recevez l'Esprit de Dieu, recevez la puissance de Dieu,
Recevez la connexion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que votre esprit s'ouvre pour recevoir les informations du royaume. Que votre cœur s'ouvre pour être sensible aux instructions du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, marchez, Rablo Sekei, dans l'intimité de Dieu aujourd'hui. Avec cette grâce, vous réussirez, vous serez distingués. Personne ne vous étouffera au travail, aux études. Vous aurez la capacité de venir gérer vos familles, vos mariages et vos entreprises. Au nom de Jésus, vous ne serez pas quelqu'un des erreurs, mais vous serez là pour corriger les erreurs des gens. Vous allez corriger vos erreurs d'hier avec l'onction du Saint-Esprit. Vous allez relever, reconstruire ce que vous avez détruit par vos erreurs avec l'onction du Saint-Esprit. Les choses vont changer. La sagesse de Dieu sera sur vous. Recevez cette sagesse. Recevez cette intelligence. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Là où vous aviez échoué longtemps, où les autres ont échoué, vous êtes connecté à la vie de Dieu. Chaque matin, allez, comprenez ce que le monde n'a pas compris. Donnez solution là où le monde n'a pas pu donner solution. Au nom de Jésus. Écoute, avec l'Esprit du Seigneur, tu n'es pas victime de kidnappeurs. Avec l'Esprit du Seigneur, tu n'es pas victime de voleurs. Tu n'es pas victime de criminels. Tu n'es pas victime de violeurs. Tu n'es pas victime de ceux qui déstabilisent les autres. Qui peut déstabiliser celui qui a la force de l'esprit? Personne ne peut. Personne ne peut. Qui tiendra devant celui qui a l'esprit de Dieu? Aucune sorcellerie, aucune magie, aucune force de ténèbres, aucune force de mal. Tout pouvoir sur la terre fléchit devant celui qui a l'esprit du Seigneur. C'est le trésor. C'est les trésors. Je peux te surprendre. Par l'Esprit du Seigneur, tu peux entrer dans un heureux mariage. Parce que la Bible dit, il te conduira dans toute la vérité. La vérité d'une personne qui est compatible à toi, qui ne va pas te déstabiliser. Te conduira dans les affaires où tu ne vas pas t'écrouler. Ce que tu achèteras par l'Esprit de Dieu, personne ne le détruira. Personne ne le volera. Parce qu'il n'aura pas l'onction de gérer ce que nous avons reçu par l'Esprit de Dieu. Nous avons, par l'Esprit de Dieu, la capacité de gérer les choses que nous accueillons par l'Esprit de Dieu. Je t'aime, Saint-Esprit. Je répète, Saint-Esprit, je t'aime. Je te veux. Je t'aime. Je t'attends à la plénitude. Je t'attends au revêtement. Ma beauté ne suffit pas. La beauté de mon corps ne suffit pas. L'éclat de mes diplômes ne suffit pas. Reblosa. Mon éloquence ne suffit pas. Mon éloquence ne suffit pas. Mes parents ne me suffisent pas. Mon poste, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Prends place dans mon corps et dans ma vie. Règne à moi, un séjour, travaille avec moi. Règne à moi. Règne, cher Saint-Esprit. Règne, cher Saint-Esprit. Prends place au milieu de nous. Prends place au milieu de nous. Prends place au milieu de nous. Prends place, cher Saint-Esprit. Prends place et règne. Domine nos pensées. Domine nos mouvements. Que tout de nous dépende de toi. Dépende de toi au nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit, je t'aime. Je te veux. Je te réclame au nom de Jésus. Je te veux au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix, prie, dis, Dieu Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Viens, je veux la plénitude. Je veux la plénitude. Je veux la plénitude au nom de Jésus. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. Ce matin, que tu sois renouvelé dans la puissance, dans la grâce du Seigneur, au nom de Jésus. Oh, que l'onction de Dieu soit sur toi, que tu parles la langue maintenant, que tu commences à parler la langue maintenant, que tu parles dans la langue des anges, des esprits au nom de Jésus, que tu dises à Dieu le mystère maintenant au nom de Jésus.
L'Enderebrocha, l'onction du Seigneur. L'onction du Seigneur sur cette assemblée. Dans la mission, dans la pastorale, dans tous les partenaires, dans tous les animateurs. Au nom de Jésus. Avec le Saint-Esprit, ta journée est succès. Avec le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de dominer même l'argent. Multiplie l'argent sous l'onction du Saint-Esprit. Sécurise ta famille au nom de Jésus. Et que cette onction te laisse l'empreinte de l'humilité devant Dieu et de la simplicité devant Dieu au nom de Jésus. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta présence en ces lieux. Que Dieu comble ton cœur selon les besoins de ton cœur au nom de Jésus. Que tu aies des solutions à tes questions au nom de Jésus. Que les problèmes qui rongeaient ton cœur trouvent solution miracle au nom de Jésus. Ensemble nous disons Amen trois fois et que Dieu exauce toute ta prière au nom de Jésus.